En fait, le papier guide le pinceau. Et bien sûr, le chemin, il est dans ma tête. Mais la petite chemin, en fait, le petit chemin, c'est le pinceau qui me guide. Et le papier. Et j'adore faire ça. Et tu fais ça. Toujours mes mouvements. Et à la fin, t'as le volume. À chaque année, quand j'étais petite, elle changeait le sol qu'on mettait le papier de riz, plusieurs couches. Après, elle vernissait pour passer l'hiver. Et donc, ce papier, en fait, avec la chaleur de sol, parce qu'on chauffait par le sol, et qui faisait des taches très bizarres. Et je regardais avec ma taille d'enfance, en fait, ma taille de gamine, et je voyais un tableau sur le sol à la fin d'hiver, qui était vraiment très 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 beau, et j'imaginais des chemins, des montagnes.알루미늄처럼 이렇게 부드럽지가 않아요. 마음대로 움직일 수가 없기 때문에 c'est pas facile à manipuler. Donc, il faut que je chauffe le métal pour que ça rend malléable. Après, je peux faire mise en forme. Vous allez voir. Voilà, je chauffe bien. Là, je vois à peu près ce que je veux. Donc, c'est-à-dire que la matière un peu brute, comme une dentelle. Après, je mets un produit pour oxyder. Voilà. On peut avoir la matière différente, les dentelles. Et tous les détails sont en fait très importants pour moi. Parce que c'est des plis qui fait changer la forme et la couleur, les ombres. Les... 제가 의도한 게 아니라 저절로 된 거거든요. 여기도 그렇고. 어쩔 때 이런 건 연꽃처럼 보이기도 해요. 연꽃잎. 그래서 저는 이렇게 자연스러운 모양이 저절로 만들어지는 게 하나하나 그 특징이 있는 게 너무 좋아요.